Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Crash Bandicoot Insane Trilogy uniquement sur PlayStation 4, faut pas déconner non plus, c'est une exclusivité Sony et mon dieu qu'il le mérite. Le premier Crash Bandicoot étant sorti le 9 novembre 1996, presque 21 ans après la sortie du tout premier Crash Bandicoot. C'est un jeu édité par Activision et développé par Vicarious Visions qui nous permettent de redonner naissance au petit bébé de Naughty Dog. Magnifique. Magnifique note de 17 sur 20, sortie officielle le 30 juin 2017 et Peggy nous le déconseille au moins de 3 ans. Au menu, qu'est-ce que nous allons faire? Le jeu nous propose donc du coup la trilogie des Crash Bandicoot sortie sur console de 5ème génération, c'est-à-dire la PlayStation 1. Vous voyez qu'il y a 3 chemins dans le menu qui nous montrent le monde de Crash Bandicoot 1, 2 et 3. Au menu, un tableau de chaque. Un boss qui me tient à cœur, que l'on peut voir que dans un seul des 3 Crash Bandicoot. Et au final, on verra si je rajoute du bonus à la fin, s'il y a des choses que j'ai pu oublier, je le rajouterai en record à la fin. Donc sans plus attendre, nous allons partir du coup sur du Crash Bandicoot 1. Je vais scinder ma vidéo en plusieurs parties car les temps de chargement sont assez longs. J'avais oublié à quel point les loadings des années 90 étaient quand même longs. Là, les chargements sont exactement pareils, donc je vous dis à de suite. Du coup, commençons de suite avec Crash Bandicoot 1. Première chose que je suis censé vous montrer, c'est déjà qu'on peut choisir du coup entre Crash et Coco, sa sœur. Voilà, on ne pouvait pas l'incarner avant Crash Bandicoot 3, je vous rappelle. Donc du coup, ça va être sympa de voir quand même un petit côté, un petit changement quoi. Le premier niveau que j'ai choisi de vous montrer qui concerne Crash Bandicoot 1, c'est Boulders. Vous allez voir pourquoi. C'est surtout pour faire découvrir à la jeune génération, ceux qui ont moins de 20 ans, qui n'ont pas pu découvrir ce magnifique jeu de plateforme. Autant prendre le chrono. Donc du coup c'est parti, donc vous l'aurez compris, on ne voit pas ce qui nous arrive en face, et derrière, voilà, il faut se speeder. Donc du coup, imaginez la tension qu'on avait quand on jouait à notre pauvre PlayStation 1, la tension qu'il y avait, il fallait faire preuve d'une grosse réactivité pour pouvoir du coup éviter tous les obstacles qui étaient semés devant nous. On était vraiment, on courait à l'aveugle tout simplement. Donc c'était assez cool, on se passait souvent la manette à chaque fois entre chaque défaite parce que c'est vraiment du die and retry. On parle vraiment d'un jeu de plateforme dans les prémices du jeu vidéo quand même. C'était à la sortie de la PlayStation 1. Voilà, c'était fin des années 96. Et on va dire que Naughty Dog a su imposer son style déjà avec Crash Bandicoot avant de nous prendre, aujourd'hui on le connaît pour Uncharted, The Last of Us et j'en passe, ou Jak and Dexter par exemple. Mais là, voilà, on peut dire que ce jeu était bourré d'idées innovantes tout simplement. Donc maintenant, on va switcher avec le 2. Je vais faire vraiment quelque chose de très rapide, vraiment du gros condensé, donc n'en perdez pas une miette. Voilà, Crash Bandicoot 2, l'interface pour choisir donc du coup ces stages, franchement voilà, on fait un grand bond en avant quoi. Nouveauté par rapport au premier, je voulais vous montrer un stage différent, donc du coup quelque chose qui est autour de la neige, du côté glacial, donc voilà, en fait il y a plus particulièrement dans ce stage une patinoire qui permet à Crash Bandicoot de glisser, c'était vraiment la grosse nouveauté, l'une des grosses nouveautés dans le 2. Que je vous explique donc du coup un peu pour les néophytes qui ne connaissent pas. Ce qui est à côté de moi, c'est mon masque, Aku Aku. Là, la caisse qui est devant moi, vous voyez, il vient de passer en doré. Il avait sa couleur bois, là il est en doré. Quand je tourbillonnerai sur une troisième caisse, il se mettra sur mon visage et je deviendrai invincible. Les pommes, je les récupère, toutes les 100 pommes, j'ai une vie. Plus tard, dans les prochains Crash Bandicoot, genre dans le 3 ou même à la fin du 2, Crash obtiendra un bazooka qui tirera des pommes. Et ça va vous soustraire des pommes de votre compteur pour pouvoir envoyer des dégâts aux ennemis. Enfin voilà, il y a plein de nouveautés, c'était vraiment des idées géniales que possédait Naughty Dog. Franchement, voilà, on parle vraiment pour la jeune génération, je vous le dis clairement, c'est le jeu qui a permis à Naughty Dog d'être là encore aujourd'hui. C'est vraiment un jeu qui n'a pas perdu de sa saveur, même presque 21 ans après. C'est vraiment le jeu de la nostalgie pour ceux qui, comme moi, sont nés dans les années 90. Ce que je fais avec la touche R1, voilà. Oh purée, il avait gardé la marque, ça j'avais pas remarqué. C'est des nouvelles compétences en fait. Il peut tomber à plat pour péter des caisses qui sont plus solides ou se déplacer sous des caisses en métal qui sont suspendues dans les airs mais qui ont une fine interstice pour pouvoir s'y glisser. Ça, ce sont des styles de bonus stage en fait qu'il y a durant les maps. Là, je me suis fait toucher, il a repris sa couleur bois, moi, à coup.
Mais tiens, parlant de bonus stage, voilà, ça je le mettrai à la fin de ma vidéo, je vais vous montrer une nouveauté qui a un petit peu facilité le jeu. C'est la possibilité dans les bonus stage dans Crash Bandicoot 1, le moment où est-ce qu'on va toujours péter quelques caisses et sauver la copine de Crash dans le 1, avant qu'elle ne finisse avec Pinstrip Potoroo, l'un des méchants. Eh bien, si on le perd, on a possibilité de le recommencer autant de fois qu'on le veut. Ah ben en fait je parlais de bonus stage, mais en fait il était là le bonus, d'accord. Je croyais que j'étais dedans depuis le début. Vous voyez, je découvre en même temps que vous, j'ai le trophée. Donc voilà, pas mal de pommes, du verglas. Bon voilà, et prendre bien sûr de l'élan sur le verglas, logique. Donc on va pas essayer de refaire la même erreur. Pas de dégâts de chute, vous le voyez. Enfin bon, il chute mais pas de dégâts. Voilà, après le principe est simple. C'était des règles très simples et monstrueusement efficaces. Donc du coup ça plaisait à l'époque, vous voyez, ça a été mon second jeu, moi, Crash Bandicoot, je l'ai eu après Die Hard Trilogy, donc c'est pour dire si pour moi c'était pas du nouveau. Bon, mais le bonus stage est terminé, là on prend le recount, voilà, tout ce qu'on a récupéré on l'a ici. Qu'est-ce qu'il va pouvoir me permettre? Bon, généralement le bonus stage c'est ce qui montre le half stage en fait, à mi-chemin il y a le bonus qui vous est montré. Des nouveaux ennemis toujours, des backgrounds différents. Franchement, il en fallait peu pour nous rendre heureux, de toute façon, dans les années 90. Hein. Maintenant, on a beaucoup de jeux qui se ressemblent tous. Et quand des jeux vidéo innovants comme ça n'existaient pas et que ce fut le premier, tout simplement, c'était du bonheur en barre. Les caisses pour y sauter dessus, il faut y sauter 5 fois. Dans le 1, on a récupéré que 5 pommes. Là, il nous en donne 2 par 2. Donc, c'est un système de facilité encore. Le jeu a été quand même un... Oh, bordel! Je dis qu'il est facile et pourtant je tombe. Du genre, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour ceux qui connaissent qu'est-ce qui pourrait être facile? Quand on perd trop de fois, le jeu peut carrément vous faire avancer un checkpoint suivant. Ça, c'est assez ouf quand même. Ça, on l'avait pas. Tu te démerdais quand t'es dans les années 90. Ou même, quand vous réapparaissez, on peut vous donner une chance. Vous avez un Aku-Aku au-dessus de vous. Vous avez un masque qui apparaît avec vous alors que vous n'avez pas tourbillonné sur une caisse. Voilà. Est-ce que ça, c'est un point positif? Peut-être pour la nouvelle génération, mais mauvaise pour moi qui garde la nostalgie d'un jeu bien difficile. La fin des stages dans Crash Bandicoot 2 se termine toujours avec cette porte qu'il y a en face de moi. J'adore cette marque qu'il laisse au sol. Franchement, c'est trop innovant, en fait, c'est des petits trucs qui font que. Ça, c'est le counting de caisse qui me manque. Et voilà, et là, je termine le stage 2. Donc, on enchaîne de suite, voyons ce que nous réserve le 3. Et nous voici dans l'interface de Crash Bandicoot 3. Donc là, on parle de Crash Bandicoot 3, c'est sorti en 98, donc là, c'était 2 ans après le premier. Ah oui, Naughty Dog nous sortait des jeux quand même assez rapidement, hein, comparé à maintenant. Non, mais je trash talk, c'est gentil. Le stage que je voulais vous montrer particulièrement, c'est celui-là, qui change vraiment la donne. Là, on ne peut incarner que Coco dans Crash Bandicoot 3. C'était la première fois où on pouvait la voir. Petit message de Cortex. Pourquoi tu viens toujours fourrer ton nez dans mes affaires? Eh, moi aussi, j'ai un masque de sorcier, tu sais? Nous verrons bien assez vite qui est le plus fort. Donc, les VF de 98 ont changé, ce n'est pas les mêmes doubleurs. Et je trouve ça dommage parce que les VF d'avant, je trouve qu'elles étaient quand même beaucoup plus stylées. Je vous invite d'ailleurs à regarder des intros du premier Crash Bandicoot 3. Vous tapez au pire 1998 à côté et vous verrez ce que ça donne. Donc là, on se retrouve sur la muraille de Chine et je vais devoir monter sur un beau petit igrou qui appartient à Coco. Et on va devoir traverser ce stage rapidement. Si vous voulez voir à quoi ressemblait Crash Bandicoot 1, j'avais commencé déjà un let's play qui regroupe tous les épisodes de Crash Bandicoot 1 sur PlayStation 1. Je vous envoie directement avec ce lien pour que la jeune génération puisse faire son comparatif, et même ceux qui ont vécu le premier Crash et qui voudraient se rappeler à quoi il ressemblait s'ils n'ont pas pu le revoir depuis, je vous invite fortement à regarder, histoire que vous voyez pour nous, la jeune génération, ce que nous, on s'est tapé comme jeu. Graphiquement à l'époque, et maintenant ce qu'il donne tout simplement. Non, franchement, il y avait des idées de partout quoi. Enfin, on peut pas s'imaginer que tous ces stages pouvaient exister. On pensait à un truc linéaire, récupérer des caisses, prendre le cristal au bout d'un moment. Voilà, le cristal là je le récupère, je l'ai aussi récupéré dans Crash Bandicoot 2. Ça a été vraiment une histoire de cristal à partir de Crash Bandicoot 2. Dans le premier, il suffisait juste de finir les stages, récupérer 100 pommes, avoir le plus de vie pour essayer de survivre jusqu'au bout. Mais franchement, ça c'était des stages très mouvementés. Franchement, on pouvait sprinter, on avait peur de prendre trop de vitesse. Enfin, c'était vachement bien. Ah ben voilà, j'ai déjà fini. Bon, le saut, génial. On avait toujours peur de pas y arriver, mais en fait non, c'était programmé. Bon, je vais vous montrer du coup mon boss préféré sur Crash Bandicoot. Du coup, je vous dis à de suite. Hein.
Donc, on se retrouve du coup dans Crash Bandicoot 1, car il n'y a que là qu'on peut l'affronter. Il s'agit de Pinstripe Potoro, voilà, celui qui vole la copine de Crash Bandicoot dans le bonus stage, que je vous montrerai juste après du coup avant de finir cette vidéo. C'est condensé, c'est assez rapide, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos de moins de 20 minutes, mais c'est plutôt stylé. Voilà, le Rital, chef d'entreprise, le petit costard avec son Tommy Gun, et Crash avec la petite animation qui se baisse pour essayer d'éviter les balles. Il se baissait même dans la version 96. Franchement, c'était des petites mimiques qui faisaient que le jeu était vraiment génial. Vous l'aurez compris, à chaque fois qu'il reload, il faudra lui tourbillonner dessus jusqu'à qu'on change de stratégie. Il pourrait changer de placement ou même réduire son temps de recharge. Je trouve personnellement qu'il a très peu de balles pour un chargeur camembert quand même. Tommy Gun, on est bon, généralement à plus de 100 balles dans un chargeur camembert pour des Thompson comme ça. C'est d'ailleurs comme ça qu'on appelle justement une Thompson, c'est un chargeur grosse barrette style bâtonnet Findus. Et le Tommy Gun, c'est le chargeur camembert. Ouais, on se retrouve vraiment dans l'époque Chicago 1925, quoi. Deux barres de vie lui restent, il va aller à droite. J'attends qu'il reload, et au final... Bon, après, c'est parce que je le connais par cœur, je l'adore, ce boss. Et au final, voilà, il va falloir le buter sur son bureau. Et c'est parti. Et voilà, qui est fini. Donc voilà, les boss, c'est plutôt comme ça, faut juste étudier les strats. Et puis après, ça, c'est simple, entre guillemets. Donc voilà, je vous retrouve de suite du coup pour le bonus stage. Je vous retrouve du coup en plein milieu donc du coup d'un level de Crash Bandicoot 1. En fait, il faut tourbillonner sur certaines caisses qui vont vous donner le visage en fait de la copine de Crash Bandicoot. Vous pouvez le trouver avec d'autres têtes de boss annexes du jeu qui vous montrent des bonus stages plus différents, beaucoup plus durs. Le bonus stage, vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait dans le 2. Donc dans le 1, voilà ce qu'on peut observer, en fait. Donc, je monte pour la jeune génération. Les caisses, où est-ce qu'il faut sauter? Bon, fou, je tourbillonne. Donc, admettons, voilà, pendant le bonus, vous crevez. Et bien là, dans le 1, à l'époque, il était impossible de le refaire. Quand c'est perdu, c'est perdu. Or là, ben, vous avez toujours le téléporteur à côté, qui vous permet du coup ben, de finir votre bonus stage, je crois qu'il arrive. Ça, c'est aussi un petit point de facilité encore en plus. Bon, bah écoutez, tant mieux, écoutez, si ça permet de simplifier pour la jeune génération, mais bon. Voilà, je pense que j'ai pu tout dire sur ce jeu, j'espère du coup que mon test condensé de Crash Bandicoot Insane Trilogy vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde, portez-vous bien, et à ciao.